Bonjour à tous, c'est Hervé du Festival Sans Nom. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous donner les résultats du concours qu'on vous a proposé en début de semaine. Il s'agissait de trouver notre troisième invité. Et le Festival Sans Nom vous offrait le bouquin de cet invité. Donc, vous avez été quelques-uns à répondre. Le tirage au sort, eh ben, c'est moi qui vais le faire. Alors, je vais le faire à la manière. Hop, regardez, regardez les moyens. Voilà, il y a des petits papiers là-dedans. Faire ça un peu à la manière sportive, hein. Voilà, maillot d'équipe de France. Il n'y aura pas d'euros, il n'y aura pas de Jeux Olympiques. Donc voilà, petite frustration, mais ça passera. Voilà, on fait un peu de sport quand même. Bon, pour le tirage au sort. Hein. Bon. On fait ce qu'on peut. Alors, les indices étaient, notre auteur vient du Grand Est. Et oui, notre auteur est né à Nancy. A travaillé sur des radios, voilà, sur France Inter. Il aime bien le café, alors il aime bien le café, mais oui, Black Coffee, White Coffee, ce sont des livres de Sophie Loubière. Voilà, vous avez été quelques-uns, quelques-unes à trouver la réponse. D'autres non, bah, ça sera pour une autre fois. Alors je précise quand même, ah, ce sont des auteurs de polar, hein. Voilà, bon, si vous ne donnez pas le nom d'un auteur de polar, ça diminue fortement vos chances de gagner. Alors, pour ce tirage au sort que je vais effectuer voilà, maintenant, donc une main innocente traditionnellement. Alors, je cherche, voilà, j'en ai deux. Je mélange, hop, la main droite, ça tombe bien, c'est ça où il y a le bol. Ouais, je suis quand même mélangé devant vous là, hop, 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 hop. Voilà. C'est bien, ça fait un peu maître de cérémonie, hein, j'ai jamais fait ça, c'est sympa. Alors, Régine Angèle Engel, Régine. Régine, tu es la gagnante du livre de Sophie Loubière, 5 cartes brûlées. Alors, on t'enverra ça après le confinement, hein. Sois sympa avec nous. Tu nous envoies, on se tutoie? Bon, on se tutoie, allez. Tu nous envoies ton adresse en message privé sur le Facebook du festival et puis on t'enverra ça. Hein? Félicitations à toi. Bah voilà, c'est tout. La semaine prochaine, on refera un concours pour bah dans les mêmes conditions. Ça vous permettra de gagner un bouquin. Et je peux déjà vous annoncer, il y aura un changement de décor. On ne parlera jamais assez des vertus du rangement. Vive le confinement. Ça permet de retrouver des affiches. Donc j'ai retrouvé une autre affiche. Donc je suis sûr que vous êtes impatient de découvrir quel sera le nouveau décor. Bon, en attendant, portez-vous bien. Bravo à notre gagnante et à très bientôt. Ciao!